Être fan de technologie, c'est difficile. C'est difficile car les possibilités sont infinies. C'est ce qui rend cette passion qu'on a incroyable. La seule chose qui est limitée, c'est le temps. On passe nos vies à attendre la prochaine keynote, à attendre la prochaine Google I/O, à attendre le prochain iPhone, le prochain Samsung. Mais c'est pas ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est une révolution. Révolution qui nous sont faussement dictées par des sites de rumeurs tout au long de l'année. Ça rend la chose encore plus dure. On passe notre temps à espérer des choses qu'on verra peut-être pas. Comme Gaudi ne verra jamais la Sagrada Familia finie. On verra peut-être jamais une voiture décoller. On attend des écrans sans bord, de la recharge entièrement sans fil. Des écrans pliables, des hologrammes, des lunettes, tout ce que tu peux imaginer. Ça arrivera sûrement. Mais quand ? C'est compliqué de regarder une conférence, de devoir te réjouir devant une petite nouveauté, parce que c'est ce que t'attends au final. Mais t'attendais plus. Quelle que soit la marque, quel que soit le produit, on s'en branle. On veut juste avancer. Il y a des choses qui se passent. Il y a clairement des choses qui se passent. Des choses que tu verras pas si tu réfléchis pas un petit peu. Ouvre-toi, regarde ce qui se passe, connecte tout ça et réfléchis. Réfléchis à autre chose que les données cellulaires dans le centre de contrôle. Pense aux jeux vidéo, pense à l'assistance personnelle, pense à la maison connectée, pense à tout ce que tu peux. N'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête. Et va loin. Va putain loin. Tu verras que c'est possible même sans prendre de LSD. Oublie pas que quoi que tu fasses, les passionnés de tech sont de toute façon vu comme des putains de mecs flippants. Alors sois flippant à 1000%. Je vais pas te faire de résumé de la keynote d'Apple parce que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que y a rien de révolutionnaire au présent. Mais t'as pas le temps de vivre au présent.